Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va continuer à parler du pied. Après la vidéo 1 et 2 portées sur les trois dimensions du pied, qui sont le sensoriel, le réflexe et le moteur, ici on va faire un « putting it all together ». Dans la réalité, un pied qui fonctionne bien, c'est un pied qui répond aux exigences biomécaniques et neuromusculaires. On parle beaucoup de l'arche interne, mais le pied possède trois arches. Et ces trois arches constituent un dôme qui est extrêmement important à prendre en compte car, suivant les impacts, le pied va devoir bouger en spirale très rapidement en pronosupination. Le pied est une merveille d'ingénierie. C'est 33 articulations, 107 ligaments, 26 os et 19 muscles. Tout ça pour dire que toutes les articulations sont coupées et conjointes qui permettent d'emmagasiner le maximum d'énergie et de restituer le maximum de puissance. Et donc, suivant où votre athlète évolue dans son environnement, le travail sera différent. Soit on va jouer sur les temps très courts et donc sur les structures passives comme le tendon, etc. Soit sur des temps de réaction plus lents où on va plus stimuler le travail musculaire et donc la force musculaire. Si vous voulez maîtriser l'art et la science des forces de réaction au sol, vous devez apprendre à danser avec le sol.